L'objectif, c'est de sortir du groupe et de se qualifier pour la phase à élimination directe. Grosse pression tout autour de la pelouse. Le coup d'envoi dans un instant. Salut à tous, nous sommes à Paris, au Parc des Princes. Vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez avec nous. Pour le PSG, l'enjeu, c'est la qualification pour la phase suivante dans cette UEFA Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain contre Newcastle. Aujourd'hui, c'est l'occasion de se qualifier pour la phase suivante devant leur public. Si tout se passe bien, l'or avec vous les supporters. Vitinha. Il y a du soutien en attaque. Ah, il est passé sur ce bon geste. Ah, il faut bien négocier ce ballon là. Et voilà! Et qu'est-ce qui se passe? Déjà le premier but! Quelques minutes de jeu! C'est beau et c'est bon! Le départ s'est bien joué. Mbappé a volé le casse-croûte au défenseur. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Olé, le bon mouvement. Mbappé pour le centre. C'est fini dans les bras du gardien finalement. Oh, la tentative lointaine. Oh, mais quel but! Personne ne l'a vu venir, personne ne l'a imaginé, et il n'y a que lui pour nous faire ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas possible de mettre un but aussi loin, en reprise de volée en plus. Regardez la perfection de cette frappe, le degré de complicité avec la balle qui arrive. Grande! Fabien Ruiz. Le ballon pour Kylian Mbappé. Trois buts d'avance maintenant. Le réalisateur fait bien de nous montrer ce centre en retrait. C'est lui qui vient offrir ce ballon directement face au but. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. La sensation évidemment est mitigée. Leur prestation est très intéressante. Il y a beaucoup d'énergie, d'effervescence. C'est une bonne prestation. Mais ça ne suffit pas. Rappelons qu'il faut les 3 points, mais aussi un peu d'aide du destin. Le danger est éloigné. Et on en profite pour vous rappeler que l'événement à suivre ensemble, c'est ce match de Champions League. Newcastle affrontera Milan. Bien joué, oui, vous avez vu ça? Et le but, c'est son 3e du match. Le coup du chapeau, inarrêtable. Quel phénomène! Voilà son 3e but personnel du match. De quoi récupérer le ballon, le faire signer par ses coéquipiers et le garder dans ce petit musée personnel. C'est parfait! Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Avec Kylian Mbappé. Mbappé! Mais non, c'est finalement tranquille là pour le gardien. Le crack de la rencontre, évidemment, c'est lui. Kylian Mbappé, encore une fois exceptionnel. Il a vraiment tout pour lui. Le pied chaud, l'esprit est en effervescence. Le public est en extase. Triplé. Toutes les lumières s'allument autour de son nom et c'est normal.